Série contient des extraits de l'épisode Le théâtre de la Dame en rouge. Afin de ne pas gâcher votre expérience, si vous ne l'avez pas vu, nous vous invitons à le regarder avant. Pour des raisons évidentes, nous vous rappelons qu'il est formellement déconseillé de reproduire cette activité. Les événements qui vont se produire dans cette vidéo ont été filmés dans un théâtre public. Aussi. Un enfant? Ouais. Pourquoi un enfant sur cette photo? J'en sais rien. Un peu moins bien. C'est quoi ça derrière, là, en dessous? Derrière les portes, là? C'est justement le sous-sol. D'accord, je suis pas bien, j'ai la nausée. Hein. Ouais. Je vais m'asseoir deux petites minutes, si c'est ça. Pas de soucis. Hein, juste le temps que, voilà, ça, j'intègre et... Endroit précis. Le sous-sol. Jean-François ? Ah, l'autre côté. L'autre côté. Je sens pas. Wow, 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 wow. Là? Ah, j'ai vu une femme. Là? Encore une fois, c'est impossible. Là, je l'ai vu de là, là. Attends, faut que je me calme. Attends, faut que je me calme. 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 Fais bien faire des sautés. Jérémy, ça agit ton prénom. Ça agit mon prénom? Ça agit ton prénom. Revenons sur la séquence que vous venez de voir. En analysant les images, nous avons découvert une troublante concordance. Regardez bien. On peut voir que Jérémy a filmé une orbe dans le couloir. On le voit descendre très rapidement, puis changer de direction pour ensuite disparaître. Le plus troublant, c'est que quelques minutes plus tard, nous pouvons entendre Jérémy dans la Spirit Box. Jérémy, vas-y, ton prénom. Le son est très distinct et nous l'entendons parfaitement. Les deux événements sont-ils liés? L'entité aurait-elle voulu nous dire qu'elle était passée devant la caméra de Jérémy au travers de la Spirit Box? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Mais la synchronisation de ces deux événements reste troublante.
Montez. Vous êtes que deux. Vous êtes que deux. C'est ça, hein. Vous êtes que deux. 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 C'est ça, hein. Vous êtes que deux. Est-ce que c'est vous? Je vous ai vu. Pouvez-vous me décrire? Est-ce que vous m'avez... Ah, je ne sais même plus quoi dire. Je suis choqué, j'aime. Je suis choqué. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Ils vont pas croire. C'est pas possible. Je peux pas mettre ça. C'est pas possible. Même si tu peux le mettre, Alexandre. Ouais. Vous. Ah, je suis choqué. Tu vois, je fais n'importe quoi. Là. Il y a une ombre. Sur le mur. Il vous tient debout. Sur le mur. Sur le mur. Il vous tient debout. À ce moment de l'enquête, les événements s'enchaînent. Alors que j'essaye de me remettre de toutes ces émotions, nous entendons une voix dans la spirit box. Cette voix nous demande si nous ne sommes que deux. Vous n'êtes que deux. Quelques secondes plus tard, Jérémy se tourne brusquement sur sa gauche. Il se tourne alors vers la pièce de l'apparition que j'ai vue tout à l'heure. En le voyant se tourner, j'ai le réflexe de me lever brusquement au point d'en faire tomber le matériel. À l'instant où je pénètre dans la pièce, nous entendons un rire glaçant au travers de la spirit box, suivi de « On vous tient ». Sur le mur. Il vous tient debout. Que doit-on conclure? Parle-t-il de nous ou d'une autre entité? Après ce que nous avons pu vivre au troisième étage, je retourne prendre une pause afin de récupérer un peu. Après avoir repris mes esprits quelques minutes, je décide d'aller placer des caméras dans la loge afin de tenter une expérience. Je pense pouvoir entrer en communication avec la Dame en Rouge en étant seul. J'espère qu'elle se sentira moins vulnérable et qu'elle n'hésitera pas à communiquer avec moi. C'est bon pour moi. Tout à l'heure ? Ouais. Donc je suis actuellement dans la loge numéro 3. Là où Mélanie, la médium, ne pouvait pas rentrer. Par rapport à des conditions extrêmes qu'elle avait ressenties. Non. Envie de pas entrer là. Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas rentrer? Pas pour l'instant. Je sais pas, ça circule et on revient. Ou alors il y a une porte. On le sent. Hein. Oui. On le sent, ces énergies passées. Oui, c'est. Ouais. J'en parlais justement à Jérémy Piaslay. On ressent ces énergies, ce passage énergétique et votre corps réagit à cette énergie. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, tout à fait. Mmh. C'est troublant, très troublant. C'est inexpliqué, je ne peux pas l'expliquer. Je suis seul dans ces loges, donc plus précisément, comme je l'ai bien dit à l'instant, la loge numéro 3. J'ai installé une caméra Kinect à terre et un dispositif, donc il y a une deuxième caméra hier qui est fixée face à la porte. Voilà. Donc s'il y a une anomalie qui vient des deux côtés, ils seront captés automatiquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séance de PVE
pour que je puisse être en relation avec ces entités. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'esprit de cet enfant, mais aussi l'esprit de cette dame. Et apparemment, dans cette pièce numéro 3, ici, il y aurait un vortex, peut-être, de tout. Un vortex de, comment vous dire, comme si que c'est un rassemblement, on va dire une entrée à toutes ces entités, tout simplement. Une entrée, spirituelle. Et c'est très fort, je le sens, c'est très très fort. J'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. C'est pas normal. Il y a beaucoup de problèmes électroniques. Les caméras qui se ferment, qui se coupent pour rien. Le DVR qui se bloque. On se demande pourquoi. Les émotions qui arrivent comme ça, on se demande pourquoi aussi. Bonjour, je pense que vous avez été présente sur la scène. Je pense que quand j'ai voulu recueillir tout le monde pour une information, et je suis vidé. Hein. J'entends un mouvement. S'il y a quelqu'un ici avec moi, pouvez-vous taper contre le mur ou fermer les portes, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit, n'importe quel bruit, taper sur un objet métallique. Taper contre le bois de la porte. Essayez de vous faire entendre, s'il vous plaît. C'est très important. Je suis seul, je suis pas ici pour vous faire du mal. C'est juste pour entrer en communication avec vous. Et si je peux vous aider. Avec les moyens que je peux. Je vous demande pas de me faire du mal. Juste de me toucher. De me dire votre nom. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très, très, très étroit à passer, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans cette pièce? N'ayez pas peur, je ne suis pas ici pour vous faire du mal, bien au contraire.
Si je peux vous aider, ce serait de bon cœur. N'hésitez pas à prendre de l'énergie. Avec les appareils que j'ai, et mon énergie aussi. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me toucher, à me parler. Et n'hésitez pas un instant. Qui aime les enfants ici? Est-ce que je suis tout seul? Vous pouvez me toucher? Pouvez-vous me toucher? La caméra, hop, c'est parce que c'est pas évident tout seul. Voilà, d'après Mélanie, cette médium, m'aurait dit justement vous seriez une personne humble, honnête, très gentille, ouverte d'esprit. Vous aimez fortement les enfants. On leur a apporté des bonbons, vous avez de magnifiques gestes, comme si vous ne seriez pas danseuse par hasard. Si oui, tapez contre le mur, s'il vous plaît. Prenez de l'énergie en moi, s'il vous plaît. Prenez de l'énergie en moi. Si vous n'avez pas assez, prenez-en. Je vous le donne, mon énergie. Je ne suis pas méchant. Je suis là pour essayer de vous comprendre. J'ai un but dans la vie, justement, je suis né pour aider les entités de comprendre l'histoire, d'améliorer justement le système fantomatique. C'est-à-dire que je parle dans un terme beaucoup plus extrême en disant fantomatique. Mais ça me permet justement d'évoluer aussi dans le milieu. Ainsi d'en comprendre aussi que l'au-delà aussi existe réellement. Et ça me permettrait justement, si vous vous manifestez devant moi, ou si vous tapez contre le mur, ça ne ferait que confirmer, et vous confirmerez à des milliers de personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Manifestez-vous, s'il vous plaît. J'ai mal à ma tête. Je me sens... Je vais me poser là. Et je vais attendre que vous venez me toucher. Ou me venir me parler. Parce que moi, je suis un peu essoufflé. N'hésitez pas. Prenez une énergie en moi. Le peu que je peux encore avoir, sur le matériel.
Y a-t-il quelqu'un avec moi? Est-ce que je suis seul dans cette pièce? Répondez-moi, s'il vous plaît. Envoyez une nuit ici pour vous aider, pas pour vous embêter. Après, si je vous embête, vous me le dites. Vous me poussez un petit peu, vous me dites que je vous voulais pas me voir et je m'en irai. Mais faites-moi un signe, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez encore le faire. Vous voulez pas communiquer avec moi? Je vous dérange? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Vous voyez? Je tape sur ce poteau. Faites comme moi. Je réitère mon geste. Oui, Jérémy, tu m'entends? Ouais. Oui, je vous entends. Ça se passe bien et il n'y a rien, je ne vois rien et il n'y a personne qui vient me voir quoi. N'hésitez pas. Ok, ça marche. Je sens de l'électricité statique autour de moi. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si que vous mettez tout simplement... je ne sais pas comment vous l'exprimer tout simplement. Je suis vidé. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis vidé. Je me vide en temps, énergétiquement. C'est très dur à expliquer ces choses-là. J'ai même du mal à m'exprimer tellement je suis vidé. J'ai mal au crâne. J'ai des... Je sais pas comment vous décrire, c'est comme si je fais des micro-sommeils en fait. C'est... Je plane mais... voilà. Enfin bref. Très, très bizarre. Avez-vous un message à me faire passer? Y aurait-il des enfants qui sont décédés dans ce lieu? Ou qui ont été... Ça
vous avez pu le voir, j'ai vécu quelque chose de troublant. En effet, quelques instants après avoir demandé aux entités de puiser de l'énergie en moi afin de se manifester, je ressens une intense faiblesse. Je me sens vide et épuisé. Je sais pas comment vous l'exprimer, tout simplement. Je suis vidé, je sais pas si vous me voyez, mais je suis vidé. Je me vide énergétiquement. Et c'est à cet instant qu'un bruit se fait entendre. Ou qu'ils ont été... attrapés contre un mur. Ou qu'ils ont été... une entité aurait-elle pris de mon énergie pour se matérialiser ce bruit ? Est-ce que cette loge a un rapport avec la Dame en Rouge ? Je me pose beaucoup de questions à cet instant. Je vais alors continuer quelques minutes encore ma séance dans cette pièce du théâtre. Êtes-vous morte dans ce lieu ? C'est oui, tapez une fois, sinon tapez deux fois. Pendant une dizaine de minutes, je n'obtiendrai plus aucune réponse dans la Spirit Box. Je décide alors de descendre au QG. J'ai besoin de récupérer un peu et de faire le point avec l'équipe. Jérémy, au sous-sol depuis un moment, n'obtiendra pas de réponse non plus. Quelques minutes après moi, il décide lui aussi de revenir au camp de base. Quelques minutes plus tard, alors que nous sommes tous réunis à la régie, nous avons trouvé à l'analyse un phénomène audio étrange enregistré par le micro de la caméra du sous-sol. Personne d'entre nous n'était dans les alentours de cette caméra à cet instant. Et pourtant, nous avons enregistré un PVE incroyable et inexplicable.